5 000 euros. Et c'est 3 victoires en route vers la 4e victoire. Bonsoir. Faites du bruit pour Bruno. Bonsoir. Ah là là, mon Bruno. On est bien ici, hein. Je m'en suis habitué, moi, d'être là. C'est vrai. Écoutez, ouais, je vais dormir peut-être ici. Il y a les meilleurs musiciens possibles. Vous avez une voix d'enfer. Il y a un public chaleureux. Tout est là. Qui est sur la route? Qui veut piquer le micro de Bruno? Le micro, c'est Emily. Elle a sorti les diams, c'est des brillants, waouh. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Émilie? Alors, je suis directrice et professeure d'une école du spectacle. Et alors, de quelle matière? Vous êtes professeure parce que dans l'école du spectacle, on fait de la danse, du chant, de la musique. De la danse, du chant, de la comédie, de l'expression scénique, des claquettes. D'accord, voilà. Mais vous m'avez toujours pas dit ce que vous enseignez, vous. Alors, moi, j'enseigne les cours de modern jazz, okay. Les cours de chant, expression scénique. Et également les cours de claquettes. Eh ben, vous avez un sacré emploi du temps. Très bien. Regardez les thèmes et les chansons et les points, surtout avec lesquels vous allez pouvoir jouer. Il y a C'est ouf à 10 points, 20 points les années 80, 30 points David ou Jonathan, vous pouvez pas avoir les deux, 40 points Au soleil et 50 points Mozart, l'opéra rock et après la même chanson dont vous devez vous méfier. Vous avez un peu suivi ce qui se passe, généralement Bruno déchire sa race quand il arrive à la chanson en commun. Donc il vaut mieux prendre l'avance dès le début. Il est très chaud, effectivement. S-H-O-W, bien sûr. Exactement. Vous voulez commencer avec qui? Avec quoi? Ou si vous voulez commencer ou vous laissez la main? Non, je vais prendre la main. Et avec qui? Avec Au soleil. Au soleil, 40 points. Sous le soleil de Bodega, les négresses vertes ou Petite fille du soleil, Christophe? Alors là, c'est vous. Christophe ou les négresses? Bah oui, Petite fille du soleil, petite on verra. Petite fille du soleil, allez. Il y a quand même 6 mots à retrouver. Vous êtes de quelle région? Je viens de Herzo, un petit village. Herzo? Oui. Et c'est à 15 km de Lille à peu près, en Belgique. Voilà. D'accord. C'est pas Herzo, c'est pas non, Herzo. Non, c'est Herzo. Herzo, très bien. Petite fille du soleil pour Christophe, non pas pour Christophe, mais deux Christophe pour Émilie. C'est parti! 6 mots. Petite fille du soleil, le matin va venir. Petite fille du soleil, je dois partir. Petite fille du soleil, je garde en souvenir. Petite fille du soleil, nos délires. D'autres envies, d'autres rêves. D'autres envies, d'autres rêves viendront dormir dans tes nuits. Déjà le jour se lève. Comment te dire que tout est fini? Tout est fini, petite fille du soleil. Le matin n'attend pas. Petite fille du soleil, non, ne pleure pas. Petite fille du soleil. Ah ouais, on sentait déjà l'hésitation pendant la chanson. Mais je connais pas du tout en fait. Pour quelqu'un qui connaît pas, vous êtes bien débrouillé. Bah, que... j'ai juste écouté un peu la musique. Et Fabrice a essayé de vous mettre un peu sur les rails, mais c'est ça. Rien ne vient là après Petite fille du soleil. Non, rien du tout. Il y a 6 mots à trouver. Est-ce que vous avez une idée, vous, maestro? Je suis vraiment pas sûr, hein, mais je dirais le matin n'attend pas. Mais franchement, le matin pas n'attend sûr pas. Du tout. Je du crois tout, que ça a déjà été tout. Chanté, ça, le matin n'attend pas. On va voir quelle phrase. Surtout ne m'en veux pas. Ah ouais, bon. Ce qui rime bon. Avec le matin n'attend pas. Voilà. Ben, surtout ne m'en veux pas. On oublie les points pour Émilie sur ce coup-là. 50 points à Mozart, l'opéra rock pour vous, Bruno. 30 points à David ou Jonathan parce que pour les deux, eh ben, il fallait mettre plus de points. 20 points les années 80 où c'est ouf, 10 points. Non, je vais prendre les années 80.
Les années 80 à 20 points, il y a d'amour ou d'amitié, Céline Dion, ou partenaire particulier. D'amour ou d'amitié, Céline Dion, ou partenaire particulier. Oh, je préférais quand même faire partenaire particulier, je pense. Il y a trois mots à retrouver sur partenaire particulier. Cherche partenaire particulier. Un, deux. Prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Maestro. Savoir faire. Oui, c'est vrai, il y avait le coucou. Ouais, absolument. Tu l'as le. Bon, une bonne, vous avez dit, dose de savoir-faire. C'est-à-dire qu'il y a en effet trois mots. Il y a dose, il y a deux. Il y a savoir-faire. Bloquez-vous ces paroles. Ah oui, c'est un mot composé, oui, d'accord. Oui. Ben écoutez, je vais bloquer ces paroles. Pensez-vous que ce soit les bonnes paroles, Émilie ? Je crois que c'est bien ça. Oui ! La dose de savoir-faire, il l'a, notre maestro, et il marque les 20 premiers points de ce match. Et vous, vous avez le choix, Émilie, entre les 10 points de C'est ouf, les 30 de David ou Jonathan, ou les 50 de Mozart, l'opéra rock. Allez, Mozart, l'opéra rock. Mozart, les 50 points. En jeu, tatoue-moi ou le bien qui fait mal. Tatoue-moi. Tatoue-moi. Il y a des tatoués qui sont heureuses, mais le problème, vous, c'est qu'il va falloir que vous débrouillez pour trouver 8 mots. 8 mots manquants pour 50 points. Tatoue-moi, c'est parti, Billy. Tatoue-moi sur tes seins et le petit bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tatoue-moi sur tes murs un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. Sors ton bras dessous, et n'ayons pas de love et l'arrogance. Allons chez les bourgeois, siffler leur vin, taquiner leur conscience. Ils sont, vous avez dit quoi, leur richesse et leur... Et là, vous êtes parti. Là, si vous dites ils sont leur richesse et sont leur, il manque trois mots. Je ne sais pas. Vous calez, c'est vrai ? Oui, je cale. Avez-vous une idée ? Malheureusement. Maestro ? Non, aucune vraiment, Nagui. Aucune idée. Aucune. Quelqu'un connaît la réponse ou pas la phrase manquante? Non, ah oui, fan de tatou, mais en même temps, pas du tout, pas de réponse. La bonne réponse, c'était ils sont ma richesse, mon étendard, ils sont ma terre. Mais de toute manière, j'étais pas dans le bon don. C'est vrai? D'accord. Bon, pas de regret sur ce coup-là. Bruno, c'est le moment de marquer des points, 10 points avec ses ouf ou 30 points David ou Jonathan. Bon, on va tenter David et Jonathan, j'ai aucune idée. C'est David ou Jonathan. David ou Jonathan. Ah oui, c'est pas les deux, hein. Oui. C'est pas les deux. Je sais, non, mais ça marche plutôt. Il doit y avoir d'un côté. Ça marche plutôt qu'un choix. Hein. Il doit y avoir un David quelque chose et un Jonathan quelque chose. Fait. Voilà. Ouais. Donc David ou Jonathan. D'accord, on va voir. Ah, j'ai compris. C'est David Hallyday, Joyce Jonathan, c'est ça. Ah. Voilà, David Hallyday, tu ne m'as pas laissé le temps.
ou Ça ira de Joyce Jonathan? Que je prends la chanson de mon fils. Très bien. Tu ne m'as pas laissé le temps. Il y a 5 mots à retrouver pour avoir les 30 points. Vous êtes poursuivi par la famille Hallyday, décidément. Je sais pas, oui, c'est vrai, je sais pas ce que j'ai fait. C'est parti, c'est notre maestro. Je reste avec mes souvenirs, ces morceaux de passion, comme un miroir entre bien de verre. Me rose serre, ce que je vais te dire, pas sur un vieux. Je regarde, j'ai vu te rire. C'était juste hier. Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques. En fait, le couplet, vous en savez, fiche trop rien, quoi. C'était, exactement. C'est parce que... franchement, mais je suis franc, hein. La coupure dans le couplet, c'était fini, quoi. C'était pas la peine. C'était foutu. Là, dans le refrain, c'était plus à l'aise. Est-ce que c'est quand même la bonne réponse? Et tout ce que tu me manques? Bon, mais, ça a l'air d'aller bien, hein. Ça sent bon, ça j'aime bien, hein. Tout ce que tu me manques. Ben je vais bloquer ces paroles. Allez. Et c'est bon. Waouh. Ça permet à Bruno d'atteindre les 50 points et à Émilie d'aller s'asseoir dans le fauteuil et écouter un peu de hard rock. Non mais alors, Bruno, vous allez chanter la même chanson, guidée par soit Magali, soit Fabrice. À la maison, vous aurez des paroles tout le long, sauf lorsque les paroles sont écrites en blanc. Ça veut dire que ici, elles peuvent être dites ou aidées ou soufflées, en tout cas à Bruno. Mais ensuite, lorsqu'elles seront écrites en jaune, personne ne souffle rien à Bruno. Il sera seul avec lui-même pour aller le plus loin possible. Généralement, c'est le moment où vous mettez le dernier coup de boutoir. C'est là où vous achetez. En général, oui. Généralement, mon capitaine. C'est le moment d'achever le client, comme on dit. Hein. Alors, voici la chanson. Est-ce que ça va fonctionner encore? Je vous le souhaite sur La maladie d'amour de Sardou. Non? On va essayer, mais non, enfin, par cœur, non. Mais vous l'avez déjà chanté ou pas, La maladie d'amour? Non, quasiment pas. Donc, on va essayer, de toute façon. Vous savez que de toute façon, on n'a pas le choix, il faut essayer. Cette chanson était une phase B. Initialement. Ah oui? Oui. Ah d'accord. Elle était la face A s'appelait Le Curé et au dos du curé, ils avaient mis La maladie d'amour, ce qui est une forme de vanne en soi. Oui. Mais Sardou ne voulait pas que ce soit une face A. Et malgré la volonté de Sardou, toutes ses équipes, sa maison de disques, ses auteurs, compositeurs, et Jacques Revaux le premier, a sorti contre l'avis de Sardou La maladie d'amour en face A et qui est devenu évidemment l'énorme tube que l'on connaît. Ils ont eu raison. Ouais, ils ont eu le nez, comme on dit, le nez creux. Ouais. La maladie d'amour, c'est notre maestro qui va s'y mettre. À 77 ans, elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout au long d'une vie. Non, voilà, je savais que ça allait pas aller. Non, c'était pas loin, c'est pas tout au long d'une vie, c'est tout le long. Voilà, tout le long d'une vie. Bruno, ça vous permet d'obtenir quoi comme score? Vous étiez à 50 et ça grimpe jusqu'à 88. Joli score, 88.
D'autant plus un joli score qu'Emilie va partir de zéro, donc la course oui. sera longue pour Emilie. Et pour être totalement honnête sur l'anecdote que je vous ai racontée sur le curé et la maladie d'amour, non pas que Sardou n'y croyait pas à cette chanson, mais surtout il avait envie de revendiquer les paroles du curé, et il avait son côté comme ça militant et dérangeant, et il voulait balancer sur les curés, ce qu'il a toujours fait et continué de faire. Ça c'était pour clore la parenthèse. Libérons Emilie. C'était bien, ça déchirait comme il faut. Ah, c'était... Oui. Ah, puis encore, là, là ils étaient à jeun. Vous avez pas vu quand ils sont fatigués. D'accord. Emilie, il a marqué 38 points, 38 mots trouvés à partir du moment où les paroles se sont tues dans les retours. Regardez avec quelle chanson. La maladie d'amour de Sardou. Ça vous inspire ou pas? Un tout petit peu, oui. Parce que vous, c'est pas au bout de 38 mots qu'il faut aller. C'est au bout de 89 mots pour entendre. Souhaitez-moi bon courage. Voilà, même on va. Et ben, Bruno le premier, nous, de vous encourager. C'est parti, Emilie. Elle fait chanter les hommes, elle fait grandir. Et après, ça grandit le monde. Aïe, 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 ça amène Emilie à quel score tout ça? 25 points, ça va. Non, mais au moins, vous restez pas à zéro, c'est bien. Au moins, il y a 25 points, vous pouvez partir la tête haute. Je vous embrasse, Madou. Merci, Emilie, bon retour en Belgique. Maintenant, tu décroches au moins 100 000. Je vais essayer, on va. Les compliments échangés, bon retour, merci. C'est à Bruno maintenant d'aller le plus loin possible. 1000 euros pour 2 mots, 2000 euros pour 3-4 mots, 5000 euros de la même chanson plus loin, puis 10000 euros, puis la totale. Quelle chanson voulez-vous, Bruno? Christophe Willem, Jacques Addy, ou Michel Berger, Mademoiselle Cheng? Mademoiselle Cheng. Je m'en doutais un peu, vu la tête que vous avez faite sur Jacques Addy. Mademoiselle Cheng, il y a les jokers, le joker des initiales qui peut vous aider. Un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout, Mademoiselle Cheng? Alors, un coup. entre un peu et beaucoup. Ou un peu coup, ou peu coup. Un peu coup, très bien. Deux mots pour 1000 euros, c'est le maestro. Elle cherche à perdre la mémoire. Loin de la mousson et du ciel bedoir. Dans un monde qui n'a rien à voir. Déracinée par le hasard. Déraciné par, c'était le juste hasard. Là qu'il fallait trouver les deux mots, le hasard. Bloquez-vous. Ces paroles, les avez-vous données le par hasard, hasard. Oui. Oui, vous réfléchis un peu, mais comme je vois pas autre chose, je bloque ces paroles, Nagui. Oui. Est-ce qu'on bat le Bruno pendant qu'il est chaud et qu'on continue? 2000 euros pour 4 mots, ou est-ce que vous mettez ces 1000 euros dans votre cagnotte, qui est déjà 25 000 euros? Non, je continue. Allez, 2000 euros en jeu, 4 mots, Monsieur Bruno. Déraciné par le hasard, Mademoiselle Chien, tout ce qu'elle demande, c'est de pouvoir comprendre ce qu'elle fait là. Mademoiselle Chien.
jamais être en temps. Elle se rapproche de vous. Elle se rapproche de vous. Avec une petite hésitation. Ou j'ai rêvé. Non. Oui, une petite, non, mais non. On va voir si ça correspond. Il y a combien de mots? Les mots, ça va. Se rapproche de vous. Il y a quatre mots, c'est bon. Je bloque ces paroles, allez. D'accord. C'est dur, hein? Et d'autant plus dur que je ne sais pas trop à quel moment je dois vous dire qu'il y a toujours ce joker pour vous rassurer si vous avez un doute. Ah oui, c'est vrai. Et je veux pas faire naître un doute s'il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Voilà, c'est pour ça que je vous dis. Oui, non, mais je comprends. Non, mais bon, si vous l'avez pas dit, c'est pas grave. Si vous l'avez pas dit, je vous en voudrais pas. C'est pas grave. Ah bah, il y a intérêt. Ouais, ça va. Ça fait plusieurs fois que je. Non, ça fait plusieurs fois que je dis qu'il y a des jokers. Ça va. C'est très bien qu'il y a le joker initial. Ça va. Je vais pas inventer ce soir. Non, mais non, c'est normal. Monsieur à 25 000, alors ça va. Il est drôle. Et c'est ça. Voilà. Et c'est ça, tout baigne. Pour 5000 euros, si vous le souhaitez. Parce que si vous vous plantez sur les 5000 euros, vous retombez à zéro, vous gardez les 25 000. Mais là, en l'occurrence, il n'y aura ni 2000 ni 5000. Mais si vous trouvez les bonnes réponses, en l'occurrence 6 mots, vous pouvez avoir 5000 de plus. Je sais pas, j'ai un peu le... Comme vous le sentez. Je peux redemander à ma femme tous les jours quand même, non? Je suis, bah, tant qu'elle est là, vous pouvez lui demander. Qu'est-ce qu'elle dit, ma Valérie? Tu fais ce que tu veux. Allez, débrouille-toi avec ça. Oh, écoutez. Allez, on va essayer. Allez, on va essayer. 5000 euros, 6 mots et le joker des initiales, monsieur Bruno. Elle se rapproche de vous sans que vos yeux ne manquent. Les siens seront plus doux. Sa langue. Des mots qu'on dit partout. Des mots qu'on dit partout. Est-ce que là vous le sentez, le joker des initiales ou pas? Avant de me dire si vous avez un doute ou pas. Déjà, est-ce que vous savez si vous continuerez ou pas? Je sais pas encore. Ah, c'est bon. Là, vous me parlez d'un palier, vous me parlez d'un truc, ce sera ça dans 40 secondes, je pense. Oui, non, c'est pour savoir si vous cramez maintenant le joker ou pas. Plutôt que de rentrer à la non, maison. Non, mais. Oui, c'est vrai, voilà. Oui, tout à fait, vous avez raison. Tant oui, qu'à ça faire. Va, si je vais continuer après. Pour être vraiment sûr, on va assurer avec les initiales. Et je pense que si c'est bon, je risque de m'arrêter quand même. Hein, parce d'accord. Que mais au moins, vous l'aurez... Là, je joue avec le feu. Au moins, vous l'aurez pris, ce joker. Je joue avec le feu, oui. Aïe, alors la première lettre n'est pas un D, mais un L. Après, il y a un M, un Q, un O, un D, un P. Ce qui fait que mot qu'on dit partout, ça correspond aux initiales. Mais c'est pas un D Au début, ouais. C'est un L. Alors c'est un L. Oui, donc ça serait L, pardon. Oui. Les mots qu'on dit partout plutôt que des mots qu'on dit partout. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, bah oui, c'est les mots qu'on dit partout. Eh bien, on va dire les mots qu'on dit partout, et je bloque ces paroles. 5000 euros de plus ou pas dans la cagnotte? Ouais, ça c'est fait. Et c'est bien joué, ce joker des initiales, finalement. Il vous amène à 5000 euros. Tentez-vous les 10 000 euros pour continuer avec 9 paroles. Je pense que ce serait... Non, je pense qu'il faut... C'est bien de jouer, c'est bien pour jouer, s'amuser, mais c'est bien aussi d'avoir de la sagesse. Si je vous écoute. Je suis juste en train d'entendre votre épouse qui fait « T'arrêtes !» C'est-à-dire que là, maintenant, il y a un moment où tout à l'heure, autant c'était « Comme tu veux !» Là, maintenant, c'est « T'arrêtes !» Et puis tu rentres à la maison, hein, c'est fini maintenant, cette histoire. Ça, c'est ainsi que tu rentres. Et surtout, ça vous fait 30 000 euros. Oui, bien sûr. Bah oui, non, attendez, c'est formidable déjà. C'est formidable. Formidable. Et surtout, c'est pas fini, parce qu'il y a une prochaine fois qui va venir. Est-ce que vous gardez ces 5 000 euros? Je garde ces 5 000 euros. Il a 30 000 euros. 30 000 euros dans la cagnotte de Bruno. Et c'est pas fini, puisque la prochaine fois, il jouera encore pour 20 000 euros. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on dit? Ciao, 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 ciao.